Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue à Au cœur du sport. Le verdict est tombé ce soir du côté de la chambre de conciliation et d'arbitrage de la Fédération camerounaise de football après le contentieux électoral. Eh bien, un verdict qui vient ici vider le contentieux post-électoral avec une déclaration d'incompétence de cette chambre d'arbitrage et de conciliation de la Fédération camerounaise de du Comité national olympique et sportif. Comment comprendre cette décision de cette chambre? On essaiera de décrypter cette actualité. Bienvenue à toutes et à tous. Ils sont là, nos invités, pour nous permettre de mieux cerner l'actualité des juristes et des journalistes, des analystes de haut vol. Nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation ce soir. On commence par le juriste maison sur ce plateau, Georges Ameke. Bonsoir, bienvenue Georges. Merci Bouba, bonsoir à toi, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2 International et surtout bonsoir au panel et à l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. Je précise, vous êtes juriste, vous allez mieux éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur les questions d'arbitrage et de conciliation, c'est votre spécialité. C'est ma spécialité et c'est d'ailleurs la matrice du cabinet que je dirige, Jeux and Partners Consulting. C'est les questions que nous connaissons au quotidien et puis je crois que je serai suffisamment désoutillé pour amener les téléspectateurs à comprendre ce qui se passe en matière d'arbitrage et de conciliation. Merci. Un autre qui a bien suivi ce dossier de bout en bout, qui maîtrise bien la chose, c'est Thierry Ndo. Thierry Ndo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les autres membres du panel, bonsoir également à tous ceux qui nous regardent, un bonsoir particulier à Ghislaine, hein, Ghislaine Bebon, qui est de l'autre côté de l'Hexagone pour une semaine de repos après la Pas encore, il paraît qu'elle part demain. Finalement, ah finalement, Finalement. finalement parce que. Elle voudrait un peu se reposer apparemment. Voilà, parce qu'elle m'a fait, elle m'a envoyé hier son plan de vol. Hein. Donc, je pense que c'était hier, donc, la destination de la France avec des glissements, puisque c'est le mot à la mode en Espagne et par là. Donc, bonsoir à elle. Bonsoir également. Il a tenu à ce que je lui dise bonsoir lorsque je lui ai fait savoir que je passais ici, on s'est vu. C'est le manager des managers, hein, Antoine Nana. Hein. Si je ne lui dis pas bonsoir, je pense qu'il sera un peu fâché. Donc bonsoir à lui et lui dit tout simplement que c'est le sport. Il faut être content en tout temps. Donc bonsoir à tout le monde et merci de l'invitation également. Voilà. Troisième invité sur ce plateau, ça fait longtemps, il n'est plus passé par ici, Jacques-Édouard Niobert. Bonsoir, bienvenue, Jacques. Bonsoir Bouba, bonsoir au panel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Effectivement, ça fait un bon bout. Hein. J'ai failli même me perdre pour rentrer vers ici. Effectivement, j'étais un habitué de ce plateau, mais curieusement, je n'ai plus été sollicité. Bon, c'est pas de ma faute. C'est sûr que le présentateur que vous êtes, en tant que mombo, je ne sais pas pourquoi vous m'avez déconnecté. Mais je suis là parce que vous avez souhaité que je sois là. Et vraiment, c'était une improvisation. J'ai fait tous les efforts pour me retrouver parce que généralement, il y a une sale habitude maintenant, à 20 h, je suis sur mon lit, j'essaie de vous regarder. Et quand le sommeil me prend, ça me prend et je peux me réveiller pour vous regarder peut-être. C'est pourquoi j'ai toujours sollicité les rediffusions. Je ne sais pas à quand il y aura la rediffusion de cette émission. En tout cas, la directrice des programmes prendra acte. Question de trouver un espace pour la rediffusion de ce programme tant sollicité. La connexion est rétablie aujourd'hui. On vous a reconnecté. Non, ça Donc, va, désormais. ça me va droit au cœur parce Voilà. que j'aimais toujours cette émission. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Coris, bonsoir. Bienvenue, notre consultant permanent. Bonsoir Bouba, bonsoir à l'ensemble de nos millions de téléspectateurs, bonsoir à l'équipe technique et bonsoir aux copanélistes. Vous ne saluez personne ce soir? Eh bien, peut-être une nouvelle recrue, n'est-ce pas, de ces téléspectatrices fidèles de cette émission. Celle-là, elle s'appelle Madame Aline Bounou, elle nous suit depuis Chicago, aux États-Unis. Chicago, Aline Gounou, Chicago, aux États-Unis. Bonsoir Aline. Alors, c'est mon ami personnel, Théo De Jong, une rentrée médiatique sur Au cœur du sport. Ça faisait un bail, Théo. Bonsoir Théo. Allez, bonsoir Bouba, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Très content d'être sur votre plateau, même si la soirée n'y prête pas. Parce que je voudrais encore faire un lien entre le grand épître de Saint-Paul, entre la foi et la loi. Vous savez,
Les êtres humains ont le devoir, eux, parce qu'ils sont des hommes, d'établir à travers le prononcé de la loi, en disant le droit, je veux dire, c'est par là qu'on construit une société. On construit une société lorsque le droit est dit. Et lorsque ceux qui ont la responsabilité de dire le droit se mettent à jouer avec le droit, il y a un gros problème dans la République. Et moi, je dis ce soir, c'est la République en lambeaux. C'est la République en lambeaux parce qu'on ne joue pas avec ce qui nous unit, ce qui fait la différence entre nous. Et s'il y en a qui jouent, qui boivent du champagne en disant nous avons gagné à travers la forfaiture de cet après-midi, je leur dis attendez, on ne gagne pas. La forfaiture ne peut pas être une victoire. Tenez-vous tranquille, la victoire, c'est au bout. Et nous nous combattons pour que le droit soit véritable, que les standards du droit soient véritablement appliqués dans cette République. C'est le combat, c'est l'essentiel des combats que nous devons mener. Et que ça dure 100 ans, 300 ans ou 1000 ans, nous allons continuer à stigmatiser ceux qui mettent le droit en lambeaux dans cette République. Et je vais dire ce soir, permettez-moi d'entrer dans le débat avant qu'il ne commence, sur la défaite du système judiciaire. Merci Théo de Dion. On y reviendra tout à l'heure, juste le temps de marquer une courte respiration pour prendre une ou deux synthèses consacrées à l'actualité de la semaine. Par une actualité sur le plan local, football. Banjoun Challenge, je crois que nous sommes rendus à l'avant-dernière ou la dernière journée, le week-end dernier, Coris. Eh bien, vous voyez, il faut dire que le week-end dernier, c'était la 8e journée du championnat, donc l'avant-dernière journée de ce championnat qui s'achève ce week-end avec des chocs, n'est-ce pas, en perspective. Parce qu'il faut dire que pour ce championnat qui a commencé depuis le 26 janvier, on se retrouve aujourd'hui avec une équipe en tête, l'UIT Photo Victor de Banjoun, avec 18 points, mais suivi quand même de trois équipes, n'est-ce pas, qui ont 17 points. Il s'agit de Djeleng FC, vétéran Ambiance Club de Banjoun, et également Djeko qui a 17 points. Donc vous comprenez que pour cette dernière journée qui s'annonce ce week-end, quatre équipes, n'est-ce pas, sont bien positionnées pour sortir, n'est-ce pas, champion de ce tournoi qui a sa première édition. Mais il faut également rappeler que ce n'est pas fini avec le championnat parce qu'il faut dire que les huit premiers de ce championnat seront retenus, n'est-ce pas, pour disputer la coupe. Donc que ce soit au niveau du haut du classement ou encore au bas du classement, les places se discutent encore parce qu'il faut se battre, n'est-ce pas, pour finir parmi les huit premiers pour pouvoir disputer la coupe. Donc c'est l'occasion pour moi ici de saluer, n'est-ce pas, mon président local, n'est-ce pas, du comité d'organisation. Il s'appelle Toroms, qui est au four et au moulin de ce côté-là pour la réussite, n'est-ce pas, de cet événement. On parle d'autre chose avec vous, Edouard Nouvel. Vous avez suivi la Champions League, soirée Champions League, notamment Juventus de Turin, Ajax d'Amsterdam. Vous avez quand même vu des affiches alléchantes, peut-être quelqu'un, comme lui, il est un couche-tôt. Non, je suis un couche-tôt. Un couche-tôt, vous n'avez pas Non, mais regardé. je suis quand même à travers mes médias et autres, avec les réseaux sociaux. Effectivement, quand je commence à regarder, je m'en vais, je dors et c'est fini. Mais quand même, j'ai trouvé des matchs assez relevés. L'Ajax, avec sa jeunesse, m'a toujours fait plaisir hein, parce que j'ai toujours été un apôtre du football des jeunes. C'est-à-dire, c'est un exemple patent qu'on doit d'ailleurs appliquer ici chez nous. C'est-à-dire, essayer de faire des ossatures sur la base de la jeunesse. Ajax a fait son nul, ça m'a fait plaisir. Bon, Liverpool, ça va aller. Donc, le niveau est vraiment très relevé, hein. Ça, c'est du bon niveau. Et vivement qu'on arrive à des résultats. J'attends les matchs retour qui vont être beaucoup plus déterminants. On parle d'autre chose, des chantiers de la CAN avec vous, Théophile Awana. Nous sommes rendus aujourd'hui, le 11 avril, date de la livraison. Nous sommes 11 jours après. Les chantiers ne sont toujours pas livrés. On va de grève en grève sur des sites. Et même, on ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que par la suite, il y aura au moins une sanction? On peut s'attendre à quoi? 11 jours après. Mais on doit s'attendre à ce que les gens comprennent que le gouvernement est devenu
un gouvernement de menteurs. C'est ça dont il est question. Parce qu'on ne peut pas engager une république à plus de 1 500 milliards d'emprunts. On passe de 2 à 3 dates de livraison des stades et qu'on n'a pas un seul stade. On ne peut pas aller en stade de Limbé à plus de 180 milliards de francs et qu'il n'est pas livré, qu'il est fermé, qu'il est parti à plus de 8 grèves de suite. Et que les gens de Pichini auraient été en train de fuir quand ils ont décidé finalement à la fin de revenir, je ne sais pas trop comment. Et que, mais dites-moi, ça n'existe nulle part sur Terre. Ça n'existe pas que vous décidez d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations et que vous n'arrivez pas à construire des stades. Nous sommes partis il y a 5 ans. Et nous, on n'est même pas sûr de livrer ces stades avant 2021. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la CAN 2019 qui est entre parenthèses, c'est également 2021 qui est entre parenthèses. À la lueur où vont les choses. Je voudrais dire que l'humiliation que nous vivons est du fait de ceux qui nous dirigent. Vous avez suivi le conseil de cabinet du Premier ministre Philemon Yang qui avait suivi le retrait de la CAN où M. Bidoumpat avait pris la parole pour dire « Nous, 17 ministres réunis dans la salle, nous sommes responsables de ce que la CAN n'a pas eu lieu. » La responsabilité gouvernementale a été clairement relevée dans ce conseil de cabinet. Et que ces ministres ont pour une grande part été reconduits au gouvernement du 4 janvier et qu'ils continuent eux-mêmes à semer le doute. Je dis, c'est inadmissible. Vous avez suivi vous-même les chiffres. Hein? Une benne de sable à des centaines de mille, un sac de ciment à une vingtaine de mille. Vous avez suivi, c'est des emprunts. C'est-à-dire que les gens vont payer, nos enfants et nos petits-enfants paieront ces stades jusqu'à 70-80 ans après nous. Alors nous sommes là en train de jouer avec quoi? Est-ce que la République, en quoi ça renvoie une République? Ceux qui sont aux affaires, pourquoi est-ce qu'ils torpillent? Hein, il torpille l'avenir de la République. C'est ça la vraie question. Je voudrais que les citoyens qui nous regardent, qui comprennent à travers l'échec de la CAN, l'échec de tout un système, c'est des gens qui ne veulent pas travailler ou qui ne veulent plus travailler. Vous voyez seulement le fait qu'ils volent. Et si le vol est devenu ce qui nous rassemble le plus, ça veut dire qu'on n'est plus des hommes. Parce qu'un homme qui court dans le mal est un homme qui ne peut plus, qui ne peut pas faire améliorer la situation des citoyens. Donc, on est à 1 500 milliards de francs sortis. Il n'y a pas un seul stade qui a été livré. Les gens se sont même permis de fabriquer le stade de Douala livré. C'est faux. À peine on est en train de faire une toiture de pratiquement 20 à 25 mètres qu'ils ont commencé à mettre, à étaler. C'est pas plus. Il n'y a pas un seul stade. Ceux qui sont à Japoma nous regardent. Le stade de Japoma n'a jamais été couvert. C'est à peine 20 à 25 mètres. Ils ont publié des trucs sur la toile en disant que le stade avait été entièrement couvert. Ils sont allés prendre ça dans un stade, je ne sais pas trop, en Amérique latine pour tromper les gens. Pourquoi ils passent autant à tromper les gens? Okay. Pourquoi? Je voudrais dire au président de la République qui nous regarde. Moi, je le dis, la loi doit être appliquée en Chine. En Chine, qui est un pays très moderne, contrairement à ce que les gens racontent. Tout ce qui vole l'État, ils ne vont pas seulement en prison. Ils sont condamnés à mort. Je dis, ceux qui volent cette République, quitte à étendre 3 ou 4 nouvelles prisons, le président de la République, pour M. Paul Biya, et je vous invite, M. le Président, à ramasser le plus grand nombre de gens qui ont volé dans cette canne, les ramasser et les envoyer dans les prisons les plus lointaines. Pourquoi pas à Yoko? Pourquoi pas ailleurs? Que ces gens pourrissent là-bas, nous serons fiers. Moi, je suis convaincu d'une chose, Bouba Ngomna. On ne peut pas, je ne suis pas pessimiste, mais à la lieu où les gens se sabotent la République, on n'aura pas d'émergence. Mais au moins, M. le Président de la République, M. Paul Biya, s'il n'y a pas d'émergence, vous pouvez tout au moins nettoyer la République. Nettoyez-la. Arrêtez-les tous les voleurs, jetez-les en prison. Ça, on aura au moins la fierté d'avoir un pays nettoyé du mal et du malheur. Merci Théophile. Oui. Ça, c'est mon soin. Hein. On espère que si le président n'a pas suivi, que ses conseillers ont suivi. Et non, les conseillers vont lui dire de ne pas faire ça. Le président lui-même a suivi. Ah, okay. C'est les conseillers, ils ne sont pas d'accord avec moi. Ils ne sont pas d'accord. Merci Théophile Awana. Alors Georges, les filles reviennent d'un tournoi en Chine, à Lyon, qui sont en partance pour la prochaine Coupe du Monde en France. Il y aura un stage d'acclimatation prévu du côté de l'Espagne, après un autre stage ici. Comment est-ce que vous avez jugé, vous avez trouvé le niveau des polish du coach Alain Diéva? Je crois que c'est important de multiplier les stages pour que le niveau puisse aller crescendo. C'est déjà quelque chose de bien. C'est vrai qu'on a presque pris les mêmes pour recommencer. Il y a quelques personnes qu'on a pris pour bigarrer le groupe. Parce qu'on n'est pas sorti, on n'est pas très loin de ce qui s'est passé, de ceux qui ont pu disputer la Coupe d'Afrique au Ghana dernièrement. On a juste ajouté quelques figures là-dedans dans cette équipe. Et moi, je crois que le voyage qu'elles ont fait en Chine était un voyage suffisamment important. Elles ont disputé 2 rencontres, me semble-t-il. La première, elles ont gagné, c'était contre les Croates.
Donc la Croatie, elles ont gagné, elles ont été en finale, pour finalement être coiffées au poteau par la Chine. Je par crois la Chine, 1-0. 1-0. Et on a pu tous se rendre compte que c'était un match qui a été suffisamment bien discuté. Les Camerounaises n'ont pas démérité. Elles ont même eu des occasions de pouvoir égaliser et même de saler l'addition. Toute chose qu'on peut dire que si la chance était de leur côté, elles auraient pu remporter ce tournoi en Chine. Mais c'était toujours utile pour elles de prendre part à un tournoi de ce type-là. Ça fait que l'esprit de groupe, petit à petit, se remet en place. Et là, les prochains jours, avec les différents stages que vous avez énoncés tout à l'heure au Cameroun et puis en Espagne, je crois que d'ici au 7 juin, elles pourront être d'attaque. Et je crois que l'équipe, on peut dire, elle est bien, elle est bonne. Alain Diomfa, à lui de les mettre en situation de compétition pour qu'elles puissent prendre le volume progressivement être d'attaque dès le 7. Je crois que ça sera le 10, le premier match, me semble-t-il, le 10 juin. Et il faut dire également, félicitations à Gaël Deborah Nganamuit qui a été choisi par la FIFA pour convoyer le trophée de la Coupe du Monde féminine qui a séjourné au Cameroun récemment, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours. Et félicitations à cette compatriote qui a été choisie pour la circonstance. Donc vivement à Alain Diomfa de se mettre au travail avec ses filles pour pouvoir nous donner une prestation comme elles ont pu le faire la dernière fois au Canada. Alors vigilance donc, puisque vous parlez d'Alain Diomfa, qui est le sélectionneur de cette équipe féminine. Il y a des tractations, on ne sait pas si c'est avec sa complicité ou c'est dans son dos. De sélection des joueuses, il y a déjà de rançonnements. On parle de plus en plus de ce côté-là. Donc, vigilance. Coach Alain Diomfa, ne soyez pas complice de cette forfaiture. On espère que vous allez veiller au grain, faire en sorte que seuls les meilleurs soient sélectionnés et prennent part à cette Coupe du Monde. On ne sera pas comme un entraîneur qui nous avait dit que sur 23 joueurs, il avait seulement 11 pour aller à la Coupe du Monde. Vous vous souvenez encore, Théo de Dion ? C'est vous qui avez fait l'interview à moi, l'entraîneur belge. L'entraîneur belge. C'était Finke. L'entraîneur allemand. Oui, l'allemand. Il avait dit qu'il te reste, avait été fait par. Voilà, donc. C'est un monsieur qui est sur la colline de Colby-Solman. Bon, ok, d'accord. Alors, on termine avec le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations chez les messieurs, prévue demain du côté du Caire. Bonne nouvelle, on n'attendait pas le Cameroun en tête de série. Le Cameroun sera tête de série. Quelles sont les chances du Cameroun de pouvoir tomber dans un groupe plus ou moins ? Si les Congos nous laissent passer. Bon, il faut dire que c'est une demi-surprise. Parce que ça va être désormais depuis quasiment 2 ans, la FIFA a instauré le mécanisme à privilégier son classement mensuel. C'est à base de ce classement que les têtes de série sont élaborées. Bon, le Cameroun, qui était quand même jusqu'au dernier classement mensuel, 8e en Afrique, a pu être parmi les 6 têtes de série. Peut-être son titre de champion d'Afrique a prévalu. Les chances, c'est vrai que côté terrain, on est toujours qualifié à cette CAN, même si on attend la décision du TAS par rapport à la plainte des Comores. Mais maintenant, il faut dire que tout est possible. Vous savez, en 2017, personne ne misait cher, ne vendait cher la peau de cette équipe. Avec les problèmes qu'on connaît, le désistement de plusieurs joueurs, le mal-être que certains avaient à revenir en sélection, ajouté à cela l'exécutif illégal de l'époque qui était en poste et l'entraîneur Hugo Broos contesté avec une communication lapidaire à l'endroit de ses joueurs. Vous savez d'ailleurs qu'il a remis le couvert, étant à Bruxelles. Il a tancé Eric Maxime Choupo-Moting. Je vous fais fi des mots qu'il a utilisés. Donc, aujourd'hui, il faut dire que le Cameroun, ce serait une CAN hyper relevée. Presque tous les carreaux sont là. Quand vous voyez presque tous les carreaux, donc tout est possible. Il va falloir, peut-être c'est dans ce genre de conditions que le Cameroun sort souvent sa plus belle des prestations, mais je reste dubitatif par rapport à ce que j'ai vu jusqu'ici, depuis 8 mois que le dieu Sidorf Kluivert est à la tête de cette sélection, ajouté à cela les innombrables intrigues qui minent cette tanière. On est à moins de 2 mois. On est à 2 mois de la CAN. 2 mois de la CAN. Je crois que c'est demain soir qu'on saura, qu'on va juger. On pourra coller une identité, une carte de visite à chaque sélection engagée. Quand vous voyez, par exemple, que presque tous les champions d'Afrique, à l'exception peut-être de l'Éthiopie, du Soudan, tous les autres sont là et c'est hyper relevé. Et de la Zambie également, qui n'est pas là, hyper relevé cette compétition. Ça se joue en Afrique du Nord. Vous savez très bien le contexte qui prévaut généralement en Afrique du Nord avec parfois des arbitrages maison, parfois un public surchauffé.
quand vous remémorez un peu la finale de 86 avec les acteurs, ils vous disent que ça a été très bien que le Cameroun perdit cette finale. Parce que si on l'avait gagné avec près de 100 000 spectateurs dans les stades Alexandrie, avec ce qu'on avait vu. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est une préparation qu'il faut faire maintenant. On ne va pas revenir sur l'environnement de cette sélection, sur les hommes qui la dirigent. Vraiment, on a eu à épiloguer, on ne nous a pas suivis. On va faire avec. On va faire avec aujourd'hui, on ne va plus revenir. Je rappelle quand même qu'au Caire, on va retrouver le président de la FECAFOOT, puisque, aux dernières nouvelles, la CCA dit qu'elle est incompétente pour annuler les statuts. Il sera là. Il y a également Rigobert Song, l'un des invités spéciaux de la CAF. Et il y a également le ministre des Sports. Je crois qu'il paraît que c'est lui qui va remettre officiellement, solennellement, le trophée, restituer le trophée. Et Maître Dieudonné Happi, hein, une intrigue, une énigme dans cette affaire. En quoi est-il là? Peut-être que ce qui se murmure depuis qu'il a fait le sale boulot, peut-être c'est pour ça qu'on le remercie. Mais maintenant, pour rester sur le caractère purement sportif et pour sortir, non, on ne peut pas spéculer. C'est vrai que depuis le début de la semaine, on a vu des simulations, des tirages au sort avec des probabilités Cameroun, si. Mais maintenant, on est tête de série, donc forcément, on va aller puiser dans chaque pot. Parce que les pots sont en fonction de la position des uns et des autres sur l'échiquier africain et l'échiquier mondial. Donc, on peut tomber à tout moment. C'est vrai que l'Égypte n'y sera pas. On ne peut pas tomber sur l'Égypte, encore moins sur le Sénégal, encore moins sur Le le Nigeria, la Nigeria, à Tunisie, la Tunisie le Maroc. et je crois la Côte d'Ivoire, il Le me semble. Maroc, le Ou le Maroc, Maroc. le Maroc. Donc, on peut se retrouver dans une poule avec l'Algérie ou l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Donc, tout est possible. Mais maintenant, c'est la préparation, c'est l'état d'esprit, c'est l'environnement et également l'oseille, la question des primes qu'il va falloir régler avant le temps. Donc, c'est tout cet ensemble-là. On attend de juger le maçon au pied du mur parce que c'est une nouvelle cuvée. Donc, on attend de voir ce qui pourra se passer. Merci, cher monsieur. Peut-être en 30 secondes pour ajouter quelque chose sur ce que Thierry est en train de dire. Il faut dire qu'effectivement, jusqu'ici, l'exécutif de Issa Hayatou généralement se basait sur les performances des pays en Coupe d'Afrique. Quand je dis en Coupe d'Afrique, c'était sur les éliminatoires et en phase finale. Mais l'exécutif actuel d'Ahmed, n'est-ce pas, Ahmad, se base effectivement sur le classement FIFA. Et il faut rappeler également que je crois le classement, le Cameroun doit, n'est-ce pas, sa position dans le chapeau 1. Effectivement, en ce que il est quand même champion d'Afrique Champion en titre. important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il faut dire que c'est la première fois que la CAN va se jouer à 24. Et je crois que l'un des objectifs visés par le comité exécutif actuel a été atteint. C'est-à-dire qu'on voulait élargir cette compétition, n'est-ce pas, à un max de pays, un peu comme on l'a vu en Europe avec la Coupe d'Europe 2016, où on a vu quand même des pays comme l'Irlande du Nord, comme l'Islande se retrouver pratiquement, n'est-ce pas, en cas de finale. Donc cette année, on aura les cadors qu'on connaît, Thierry l'a surabondamment cité, mais on aura également des novices qui n'ont jamais participé à cette compétition. Je pense évidemment à Madagascar, je pense à un pays comme le Burundi, je pense également à un pays, n'est-ce pas, comme la Mauritanie. On aura également des pays qui reviennent, n'est-ce pas, comme l'Ouganda qui revient pratiquement après 12 ans ou 14 ans à cette compétition. Donc, je crois que c'était pas mal, peut-être, dans un premier temps, d'élargir, n'est-ce pas, comme ça, cette compétition. Ça va nous permettre quand même d'avoir un maximum de pays africains participer. On aura pour la première fois les huitièmes de finale, parce que si je me trompe, on aura les deux premiers de chaque poule. On va également pêcher les meilleurs troisièmes, n'est-ce pas, de cette compétition pour jouer les huitièmes de finale, en plus des quarts de finale et les demi-finales. Donc, attendons le tirage demain. Bon, et surtout, attendons évidemment en ce qui concerne le Cameroun, la décision du TAS dans les jours à venir. Théodore, on Oui, voulait dire un mot très rapidement pour qu'on avance. il faudrait quand même qu'on relève ce qui se passe actuellement, ce que valent réellement les Lions Indomptables. Et si on ne peut pas parler de la valeur des Lions Indomptables sans parler de la valeur marchande, la valeur qu'ils ont eue depuis ces 20 dernières années qui n'existe plus. C'est une équipe qui manque d'équipementier. Ça, c'est extraordinaire que dans ces 60 jours, les Lions Indomptables vont arborer un maillot Puma qu'ils ne méritent pas, qu'ils ne doivent plus depuis le 18 décembre. Hein? Le contrat avec Puma est arrivé à son terme. Et on invente des mensonges. On prétend des choses incroyables. Les Lions Indomptables jouent avec un maillot qui ne leur appartient pas. On fait de la tricherie
hein, de haut vol, on trompe les gens et on fait porter un maillot qui peut nous à partir duquel on peut nous coller un procès. Si nous encaissons 5-0, 4-0, Puma peut nous coller un procès. Donc les Lions vont à une Coupe d'Afrique si importante, si relevée, mais n'ont pas d'équipementier. Il faut aussi dire, sur le point de vue des finances, que Puma versait 1 milliard d'euros par an, c'est une des Lions sédentaires qui font une compétition sans plus aucun franc, parce qu'ils n'ont plus de 1 milliard d'euros. Les 33 Sports versaient 290 millions de francs, ils sont partis, il n'y a plus rien, et actuellement c'est Orange qui est en train de partir. Donc une fédération qui a un budget de 2 milliards de francs, qui a perdu 1 milliard 700 et qui pèse environ 300 millions, ne peut plus pendant un an payer des salaires. Donc il faut dire que les Lions vont mal du point de vue du poids financier, du poids marchand de l'équipe. C'est la première fois que les Lions indomptables, que les Roger Mila ont crié, ont travaillé, se retrouvent sans équipementier et sans grande valeur marchande. Donc nous sommes les plus petits sur la balance dans cette compétition au niveau de la valeur financière de cette équipe nationale. On reviendra sur cet élément certainement après le tirage au sort. On fera peut-être un zoom sur la poule du Cameroun. Mais pour le moment, la seule thématique à l'ordre du jour concerne bien sûr la déclaration, je l'ai dit en début, la sentence du Comité national olympique à travers la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui s'est déclarée incompétente par rapport à l'affaire, désormais affaire Fédération Camerounaise de football, association de clubs amateurs. Je propose de suivre le compte rendu d'audience de ce soir et on revient derrière pour la suite de ce programme. Le processus électoral et les statuts ne seront pas annulés jusqu'ici, comme le souhaitait l'association des clubs amateurs du Cameroun. Et pour cause, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun vient de se déclarer incompétent. On ne comprend pas pourquoi est-ce que la Chambre dit que notre demande ou nos demandes n'ont pas fait l'objet de conciliation au préalable, alors que c'était ça même le but. Au départ, c'était les résolutions et ça n'a pas changé. On a demandé le constat de la nullité des statuts et de l'annulation des résolutions prises lors de l'Assemblée générale du 10 octobre 2018. Mais nous sommes étonnés. On a vu venir tout ça et c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre de démarches dans le sens d'alerter l'opinion et de prévenir cela. Dans le camp d'en face, c'est non seulement une satisfaction, mais surtout et davantage un soulagement. Nous sommes satisfaits, ça faisait partie des premiers griefs que nous avons relevés. Vous savez, les gens parlent et chantent tous les jours du respect de la loi. Mais eux-mêmes ne sont pas capables de respecter la loi. La loi du Cameroun, celle du 11 juillet 2018, est suffisamment claire sur le droit processuel en vigueur au sein de la CCA. Vous ne pouvez pas aller en arbitrage quand vous n'avez pas épuisé préalablement les voies de recours internes. Il y a un dispositif clair qui voudrait que pour aller en arbitrage, il faut passer par la conciliation. Vous savez très bien que lorsque nous sommes allés en conciliation dans cette affaire, les chefs d'accusation ou alors le motif principal présenté par les requérants, c'était l'annulation des résolutions de l'Assemblée générale du 10 octobre 2018. Les clubs amateurs qui affirment avoir respecté toutes les procédures en matière de conciliation estiment que la Chambre a fait du pons-pilatisme du fait du politique qui aurait intervenu dans ce dossier. Et c'est une décision, moi je peux dire, politique, parce que ce n'est pas une décision de droit. Ce n'est pas possible, c'est une décision politique et il n'y a pas de problème. Écoutez, nous avons une voie de recours devant le TAS et nous allons arriver devant le TAS et puis bon, on verra bien si la Chambre a dit le droit. Visiblement, c'est une affaire qui est loin d'être terminée car les requérants ont 21 jours pour saisir le tribunal arbitral du sport en Suisse, conformément à la législation en vigueur. Alors Georges Ameke, on commence par vous, on vous voit sourire, on ne sait pas pourquoi. Peut-être vous allez mieux expliquer à nos téléspectateurs cette question de procédure, conciliation, parce qu'on sait qu'on commence par la conciliation, c'est après la non-conciliation qu'on va en arbitrage. On a commencé par la conciliation, après on s'est retrouvé en arbitrage. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce dossier? Merci Bouba, avant toute chose je dois pouvoir vous féliciter pour ce compte rendu d'audience
que vous avez produit pour le bonheur des téléspectateurs de Canal 2 International. Et dans ce compte-rendu, vous avez fait intervenir deux acteurs majeurs, les leaders de chacun des camps qui sont affrontés devant cette TCA-là. Je suis très ahuri et puis à la limite abasourdi par ce que j'ai entendu tout à l'heure et par ce que la CCA nous a servi une fois de plus. Et avant la CCA, je vais revenir sur notre législateur, qui est le Parlement camerounais, qui adopte des lois qui sont en contradiction avec elles-mêmes. Vous donnez comme préalable à une contestation la conciliation. Toutes les matières ne relèvent pas de la conciliation. Est-ce qu'on doit pouvoir concilier les gens à violer la loi? Que va dire le conciliateur? Il va les encourager à violer la loi, par exemple, à violer les statuts d'une fédération, à refuser d'inviter les gens à venir prendre part au processus électoral? Est-ce que cette question relève de la conciliation? Non. C'est des matières qui relèvent de la conciliation. Donc, imposer que toute contestation, tout litige passe par la conciliation, c'est d'abord une ignominie sur ce point de vue-là. Maintenant, il faut pouvoir dire que, contrairement à ce que j'ai entendu, l'Afrique a fait exciper comme moyen. Il faut dire que l'arbitrage n'est pas un deuxième degré de juridiction après la conciliation. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas parce qu'on a un préalable que la conciliation, que lorsqu'on n'a pas eu à pouvoir s'entendre devant le conciliateur, le deuxième degré, c'est l'arbitrage, non. C'est des procédures qui n'ont rien en commun. C'est deux mécanismes. Lorsque vous avez une contestation, vous allez devant le conciliateur. Le conciliateur vise à rapprocher vos positions afin que tous ensemble, vous puissiez trouver un terrain d'entente. Bref, un consensus à votre préoccupation. Et vous dites, basta, on continue, on s'accorde sur ce qu'on s'est dit devant le conciliateur. Mais là, c'est des questions d'ordre public. La violation de la loi, ce n'est pas du ressort d'une conciliation. On ne peut plus rien dire en matière de conciliation sur ces questions-là. Et lorsqu'on est détenteur d'un PV de non-conciliation, parce qu'il faut dire dans cette question que c'est la FECAFOUT qui avait sollicité la non-conciliation. Lorsqu'on arrive à se concilier, est-ce qu'on doit dire au juge en arbitrage qu'on ne s'est pas concilié par conséquent statut? Non. Il est question maintenant de porter une action devant la chambre, la formation arbitrale cette fois-là. Parce qu'il faut dire que le conciliateur, lui, il ne statue pas forcément, il ne statue pas en droit. Là-bas, c'est l'équité. Et lorsque vous allez en arbitrage, c'est les questions de droit que vous devez exciper. C'est de ça que les questions. Vous voyez que nous sommes dans deux situations différentes. Là-bas, c'est l'arrangement amiable. Lorsqu'on ne s'est pas entendu amiable, on va maintenant vers une juridiction qui va statuer en droit. Et lorsqu'on doit statuer en droit, on doit clairement indiquer ce dont on a besoin. Ici, les acteurs ont récusé les résolutions issues de l'Assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2018. C'est ça l'objet de la contestation. Et dès lors qu'on les conteste devant le juge, devant celui qui va dire le droit, qu'est-ce qu'on souhaite? L'annulation pure et simple de ces résolutions-là. Maintenant, on va revenir à vous tout à l'heure, parce que c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir qu'on vous écoute d'ailleurs. Mais je voulais quand même, après avoir suivi Abdourahmane et même Albert Ayomba lors de leur intervention sortie de cette audience, Abdourahmane estime qu'il s'agit d'une décision politique. C'est votre avis? Bon, vous savez, je suis journaliste et je suis cette affaire depuis des années et encore plus celle-ci depuis le déclenchement de la procédure en arbitrage en début d'année. Bon, c'est un secret de polichinelle. Hein, si on le dit aujourd'hui que c'est le politique s'est mêlé, d'ailleurs, on a des précédents, la matière, des antécédents. Il faut quand même dire, pour répondre à votre question, qu'on a vu ça venir. On a vu ça venir depuis quasiment 3 semaines. On a vu, même si on n'a pas tout dit haut, ce qu'on avait eu tout bas, parce qu'il y a même, je crois que c'est le communiqué final de la réunion de la CEFAC d'hier qui vient un peu sonner la charge. Ils ont parlé d'interférence. Ils ont nommément cité 3 membres du gouvernement. Je ne vais pas citer les noms ici. Tout le monde peut aisément les reconnaître. Le ministre des Sports, celui du Travail et le ministre chargé des missions. Et même le greffier en chef de la CCA. Ils ont parlé d'interférence. Allez donc, je crois que c'est ce mot, après imposteur, après glissement, je crois que c'est ce mot qui va un peu revenir en boucle aujourd'hui, interférence. J'ai moi-même posé la question justement au président d'Étoile Filante de Garoua tout à l'heure à la sortie de la salle d'audience, lorsqu'il a parlé d'une décision politique. Vous savez, lorsqu'on parle de Ponce Pilatisme, Pilate était gouverneur à l'époque du Christ. Il était gouverneur. Et parce qu'il n'a pas voulu prendre, parce que dès le départ, il n'a pas voulu sacrifier le Christ.
C'est par peur de représailles de perdre son poste, et c'est justement par peur parce que les chefs juifs lui mettaient la pression qu'il a préféré libérer un brigand, un assassin, et faire, et il avait d'abord projeté de faire battre le Christ et de le relâcher. Il a été pris à partie. Donc aujourd'hui, quand on parle de Ponce Pilate, de la sédition, en attendant que l'extrait punitif sorte demain, il faut quand même dire que on parle de. On dit les motifs excipés par le demandeur, donc la CEFAC, n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire en conciliation. Georges l'a dit. Quand vous attrapez un voleur chez vous, allez vous entendre avec lui chez à la police ou à la brigade de gendarmes. Mais quand bien même vous allez, attendez, on sait quand même qu'en fin décembre, c'est la FECAFOOT elle-même, par la voix de son conseil, qui a demandé qu'on lui délivre un certificat de non-conciliation. Comme vous dites trivialement au quartier, allons devant. On est allé devant. Ils ont, lors de la première audience en arbitrage, ils ont excipé cet argument qui ressort aujourd'hui en disant que la CCA n'était pas compétente pour connaître cette affaire. On leur a opposé la jurisprudence du 1er octobre 2015. Cette même CCA, pour deux motifs, aujourd'hui on parle de six, dont le triple, pour deux, avait invalidé les statuts de la FECAFOOT. J'ai dit deux, le 1er octobre 2015. Aujourd'hui nous en sommes à six. Et la plus importante, la loi qui a été violée. On peut citer article 95, article 80, on peut épiloguer là-dessus. Donc, je peux être d'avis avec Abdourahmane et tous ceux qui pensent que c'est une décision politique. Parce qu'on a vu ça venir. On sait qu'il y a des interférences. On sait qu'il y a des ministres qui sont entrés dans cette affaire. On sait qu'il y a de l'argent qui a circulé. Je ne vais pas me risquer à donner. Non, je peux citer, mais Bouba, on a trop eu des procès comme ça ici. Donc, il faudrait un peu qu'on respire. Mais je voudrais dire que ça n'honore personne, cette affaire. Parce qu'on aurait pu régler cette affaire ici et repartir de plus tôt. Vous savez, pour sortir, qu'il y a d'autres membres du gouvernement qui ont demandé que le droit soit dit. On peut citer le ministre de la Justice. Parce qu'il faut dire que ces gens, ces gros bras autour de M. Seydou Moumendjoua ont ameuté toute la République jusqu'à la première dame. Je vous le dis, jusqu'à la première dame, ils ont ameuté toute la République. Ils ont de ce côté essuyé un refus catégorique. Donc aujourd'hui, je pense que le professeur Joseph-Marie Wipunu, qui est le président de la CCA, je ne sais pas s'il dans son, il se sent vraiment bien dans cette affaire. Parce que on a vu, moi j'ai vu même certains membres de la collégialité gênés. J'ai dit gênés ces dames-là, gênés au sorti de l'audience. Donc aujourd'hui, je crois que c'est historique ce qui s'est passé. Pour les mêmes faits, en moins de 4 ans, la CCA, on n'est pas très loin d'un déni de droit. Vraiment, je pèse mes mots par rapport à tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Jacques-Édouard Durbet, quelle analyse faites-vous de cette décision? Ben déjà, je suis un peu gêné parce que n'étant pas juriste, voir la nuance, parce que là, les deux intervenants, celui de la CEFAC et celui de la FECAFOOT, renvoient au problème de la conciliation, alors que la sentence nous renvoie à l'incompétence. Donc, pour moi, je suis un peu gêné. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a tenu compte du fait qu'il n'y a pas eu conciliation? C'est pourquoi on a un tel verdict. C'est pourquoi on se retrouve à l'incompétence. Ça me met dans une situation. Parce que là, je parle en logicien. Étant logicien, il faut la cohérence de ce qui est dit. Et là, quand je les suis, je sens de l'incohérence entre le fait qu'il n'y a pas eu conciliation et le fait qu'il y ait incompétence. Incompétence, c'est que ce n'est pas de notre ressort. Ça, c'est ça mon analyse. Je ne sais pas si le droit va dans ce sens. La non-conciliation, ça veut dire qu'on aurait pu relever là, au niveau de l'audience, que vous ne l'avez pas fait. C'est pourquoi nous vous renvoyons à ceci ou cela. Mais vous dites très clairement incompétence. C'est pourquoi je suis d'accord avec tous ceux-là qui vont dans la logique de politiser cette sentence. Ça veut dire qu'il y a eu effectivement un effet du politique dedans. Et ça me gêne encore beaucoup plus. Parce que je suis toujours dans la logique de l'indépendance des juridictions. Vous vous rappelez que la FIFA a compris cela à un certain moment. Dans leur assemblée générale, et pour refaire les textes,
ont rendu toutes les instances juridictionnelles indépendantes. Absolument. C'est ça qui met Blatter à terre. Si Blatter restait dans sa posture de patron de la FIFA, il ne serait jamais sorti de la FIFA. Mais parce que les instances sont devenues indépendantes, sont revenues jusqu'à lui dire « Tu as triché et on a dit le droit et il est sorti de la FIFA. » Alors vivement qu'on se retrouve dans cette mouvance, dans ce pays. Effectivement, sur le plan constitutionnel, chez nous, il y a l'indépendance de toutes ces instances. Absolument. L'exécutif est là-bas. Le Parlement est là-bas. La justice est indépendante. À quand donc l'indépendance de cela dans ce pays où parce que le politique vient, vous impose son rythme et pour ne pas tomber carrément à terre, vous dites, nous sommes incompétents. Incompétents, ça veut dire, c'est le pan-filatisme comme vous avez titré. Logiquement, si on était dans des juridictions indépendantes, on devait dire le droit. Soit parce qu'il n'y a pas eu de conciliation, on aurait pu le dire très clairement, soit parce qu'en face, il y a eu ceux-là qui n'ont pas pu faire ce qu'il fallait, on doit le dire. Donc, j'attire l'attention de ceux qui sont dans les instances juridictionnelles, de tous ces différents organes, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des instances sportives, même à la fédération, quand on se retrouve dans une commission juridictionnelle, que cette commission juridictionnelle dise le droit, même si ça a un effet négatif sur le pays, que le droit soit dit. Alors, parce que ça nous servira d'exemple. Tophil Lawana, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que le droit a été dit ce soir, si on se réfère à la nouvelle loi, qui la loi 4G, donc les juges se sont certainement sur laquelle ils se sont appuyés pour dire le droit ce soir. Est-ce que le droit a été tordu? Non. Comprenez très bien que l'imposture est passée du côté de la juridiction. Ce sont les juges qui sont des imposteurs. Comment ça? L'imposture, c'est n'être pas dans la position qui est la vôtre. Leur position était de dire le droit. Ils ne l'ont pas dit. Ils deviennent donc par conséquent des imposteurs. Et ils se sont déclarés incompétents. Non, ils sont des imposteurs. L'incompétence qu'ils déclarent, ce n'est pas la même juridiction pour des mêmes faits qui avait annulé les statuts de Joseph Owona. Pourquoi ne s'est-elle pas déclarée incompétente? Pourquoi? Nous sommes dans le même cas. Donc, je suis en train de dire que s'ils refusent d'assumer, ils deviennent des imposteurs. Et ça n'arrange pas les choses de la République. Et ce qui s'est passé ce soir, c'est regrettable. Jacques-Édouard l'a dit. Les pouvoirs sont indépendants. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Ça c'est écrit dans la Constitution du Cameroun. Et je vais vous dire que telles que les lois sont écrites, je suis même d'accord qu'elles sont bien écrites. Mais c'est les hommes qui décident que nous n'allons pas faire avancer la République du Cameroun. Nous allons l'arrêter, nous allons l'empêcher d'avancer. Il y a 3 ministres et un petit neuf, entre guillemets, parce que le grand neuf reste Roger Mila. L'autre petit neuf qui vadrouille entre Locataire et Yaoundé, lui reste un petit neuf. Et c'est lui qui organise vulgairement cette forfaiture, allant jusqu'à rencontrer la première dame. Heureusement, Madame Gac, je vous félicite, vous l'avez chassée du palais, c'est une bonne chose. Mais je voudrais m'indigner que ce petit neuf, avec un autre élu d'un parti politique que je ne vais pas, qui serait d'obédience anglophone, qui à la FECA Foot, qui refuse de démissionner, il traîne dans toutes les rues de Yaoundé, lui au volant, l'autre neuf à côté, allant de maison en maison, supplier, faire des arrangements à tous les niveaux pour que M. Chouat Bonbon Joya séjourne encore et encore à la tête de la fédération. Je voudrais dire que nous avons le devoir dans cette de dénoncer ce type de situation. Même si ça nous prend 40 ans, nous devons dénoncer. Ce qui s'est passé à la chambre de conciliation, ce n'est pas le droit. Je dis, ces juges sont des imposteurs. Et la femme qui a lu ce verre est une impostoresse. Serial imposteur en série.
Si vous refusez de dire le droit, afin que le peuple en bénéficie, afin que ceux qui sont venus vers vous en bénéficient, c'est que vous n'êtes pas un homme de droit. Et on organise une telle forfaiture publiquement, et pour dire, les gens sautaient de joie. Vous avez vu le professeur Ayomba parler là tout à l'heure, didacticien du droit, professeur Ayomba. Il donne des cours, il explique. Il explique en faisant les deux mains comme ça. Il est devenu Dipunwum. Mais moi, j'ai dit le matin, je disais le matin à l'émission de Thierry Ndo, je disais au professeur Dipunwum, vous avez passé le temps à dire en fac que ceux qui disent le droit doivent tout faire parce que ce n'est pas le droit que la République reste debout. Chaque coup, droit constitutionnel, vous passez le temps à le dire, professeur Bipoun, et que vous acceptiez ce soir que vos juges disent le contraire du droit, ils fassent au post-pilatim. Je vous ai dit le matin, professeur Bipoun, remettez votre démission. Si vous n'êtes pas capable de dire le droit à la chambre de conciliation, vous ne pouvez pas ravaler votre thèse, professeur Bipoun. Vous avez ravalé votre thèse. Et le conseil constitutionnel, croyez-moi, c'est la Bible de l'État. C'est les gardiens de la Bible. Et on ne peut pas être membre du conseil constitutionnel et on accepte une telle forfaiture. Ça veut dire que vous avez livré la République. Les membres du conseil constitutionnel sont au-dessus des membres du gouvernement. Ils sont indépendants, ils sont au-dessus de tout le monde. L'indépendance. Et ils ne peuvent pas, quelle que soit la pression que les trois petits ministres ont organisée contre lui, il aurait pu dire non. Parce que, écoutez, trois ministres, c'est quoi ces ministres? Mais écoutez, moi je dis, le professeur Ipoun avait lui qui a enseigné plus de 10 millions d'étudiants, comment il peut se renier? Et c'est ça. Et puis, je vais dire quelque chose. Pour chuter, pour votre premier plus. Pour chuter. Parole. Ces gens que vous voyez là, on les appelle des ministres, et les ministres, je suis d'accord avec vous. Mais il y a un là qui a été à la FECAFOOT. Il y a un là qui a été avec Olympique de Volley. Et il n'a jamais manqué, lui, de jouer toujours le même jeu. Vous vous souvenez le match de 91 entre Tazan de Bala et Olympique de Volley, où M. Tomota a conduit le match jusqu'à la 119e minute, un match de foot. 30 minutes supplémentaires d'arrêt de jeu pour qu'Olympique égalise. Tato était le capitaine, il m'a dit, mon frère, je n'arrivais pas à pousser le ballon. Les gars, j'attends, je vais plus fort. Monsieur Tomota a mis 30 minutes d'arrêt de jeu pour que Olympique égalise par force. Où est le rapport avec la sentence? Le même ministre qui est en train de faire la forfaiture, là, c'est lui qui a organisé ça. Olympique n'a pas pu gagner le match, mais il y a eu bagarre et Tarzan a été radié du football camerounais avec 11 joueurs radiés. C'est grâce à ça que Olympique a pu avoir le point qui lui manquait. Pour vous dire que c'est des passeurs en force. Eux, ils utilisent seulement la brutalité pour avancer. Ils ne cherchent pas à ce que l'équité soit installée. Maintenant, pour chuter, je voudrais dire que... parce que c'est important. C'est important ce soir. La presse ce soir, c'est quoi? La presse ce soir, c'est qu'on comprenne qu'il y a les ennemis de la République. Même si les Abdourahmane ne gagnent pas aux tasses, il y a des gens qui doivent être étiquetés comme des ennemis de la République du Cameroun. Et ces trois ministres qui ont organisé la forfaiture en faveur de M. Ndjouat, Sédou Bomondjoya, doivent être reconnus et étiquetés comme étant des ennemis du Cameroun. Okay. Jusqu'à ce que le président Biya, qui sait très bien à quel moment frapper, les frappe et qu'on revienne à le nord. D'accord. Alors, Coris, l'incompétence se comprend comment, selon vous, de la Chambre de conciliation? On va dire tout ce temps pour rien? Ben oui, tout ce temps pour rien, parce que c'est la première question que je me pose. Pourquoi avoir perdu autant de temps pour après se déclarer incompétent pour une affaire, n'est-ce pas, comme celle-ci? Je crois qu'il faut être cohérent, et c'est souvent très dangereux quand on agit ainsi. On va être obligé de reprendre la même chose. Je serai obligé de reprendre Georges, je vais être obligé de reprendre Théophile. Parce que vous ne pouvez pas, il y a 3 ans, qu'est-ce que Abdourahmane attaquait il y a 3 ans? C'était l'adoption des textes. Vous êtes déclaré incompétent et vous avez donné raison au camp Abdourahmane. Aujourd'hui, qu'est-ce que Abdourahmane attaque? Il attaque l'adoption des textes. Bouba, il faut dire dans une autre vie, je suis responsable des partenariats en ce qui concerne la structure Canada et d'autres entreprises. Et vous savez, généralement, dans les avant-derniers ou derniers paragraphes de tout contrat, on dit toujours, en cas de problème, l'arrangement à l'amiable est préconisé. Et si ça ne donne pas, le litige sera porté, n'est-ce pas, devant les juridictions compétentes de la ville de Yaoundé. Si on est à Douala, on va dire de la ville, n'est-ce pas, de Douala. La conciliation, c'est l'arrangement à l'amiable. Ça veut dire, si moi, Coris Kouyaté, j'ai accepté de diffuser les spots de Georges Amiké 2 fois par jour sur une semaine. S'il arrive que pour des problèmes techniques, que si pour des problèmes, n'est-ce pas, pour des manquements peut-être dus à un problème au diffuseur, je manque 2 ou 3 spots,
qu'est-ce que je fais? Je m'assois avec Georges peut-être devant un arbitre et je lui dis, ok, j'ai manqué 3 diffusions de tes spots, Georges, je vais rattraper ces 3 diffusions avec même un bonus de 2 diffusions pour compenser. On s'arrête là, c'est bon. Mais si je vais, je dis non. Même comme j'ai raté, c'était des problèmes techniques, je ne peux pas rattraper. Georges va décider, n'est-ce pas, de pousser l'affaire plus loin, de saisir une juridiction compétente. Et c'est ce qui se passe là, Akouba. Okay? Si Abdourahmane Amadou attaque l'adoption des textes et qu'en conciliation, puisque je suppose que ce que Abdourahmane demande, c'est qu'on retourne à la case de départ, que les textes soient réécrits, n'est-ce pas, qu'il y ait des modifications sur certains articles. Et que si le camp d'en face refuse cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas s'arrêter là et dire, ok, c'est bon, je m'arrête là. C'est normal qu'il attaque la juridiction supérieure à celle de, bon, même si la conciliation n'est pas une juridiction. Maintenant, quand on arrive à ce niveau-là et que des gens se déclarent incompétents, honnêtement, j'ai envie de dire, on a touché le fond ce soir du côté de la CCA. Alors, Georges Ameke, est-ce que l'incompétence déclarée par la CCA n'ouvre pas la porte à une procédure supérieure au niveau du TAS? On l'a suivi ce soir à travers ce communiqué des clubs amateurs du Cameroun qui ont décidé d'aller au TAS. Est-ce qu'on était obligé d'aller jusqu'à ce niveau? Naturellement, Boba, puisque c'est prévu par les textes. Bien sûr. Quelle qu'en soit la nature de la décision qui est rendue par la CCA, la partie qui s'estime lésée par la décision de la CCA est fondée à saisir l'OTAS. Ça, c'est le principe. C'est tout ce qu'il y a de plus élémentaire. Est-ce que l'OTAS peut aussi se déclarer incompétent dans ce cas comme la CCA? Ça dépendra de... Ils iront au tribunal fédéral. L'OTAS, parce qu'on a souvent vu des sentences qui frisent l'ignominie OTAS. On peut avoir un arbitre également qui se fourvoie comme ceux d'aujourd'hui se sont fourvoyés. Et s'il se fourvoie, on ira chez le tribunal fédéral suisse. Il y a une instance supérieure qui a été préconisée pour connaître de ce type de manquement. Parce que les corrompus, il n'y a pas qu'au Cameroun. Même outre-Atlantique, il y en a qui ont beaucoup plus de l'intérêt, de l'estime bien sûr. Pour ce qui est d'espèces sonnantes et trébuchantes. Quels sont les enjeux de cette décision rendue ce soir? Les enjeux de cette décision, ils sont multiples. Première chose, cette décision porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Parce qu'en réalité, les décisions, il n'y en a pas du tout. C'est un déni de justice. Thierry mettait les gants pour le dire. C'est un déni de justice. Ils ont refusé de se prononcer au fond du litige alors qu'ils ont connu l'affaire jusqu'au fond. Maintenant, avant de revenir et de chuter sur ces enjeux-là, il faut déjà au moins explorer pour savoir c'est quoi la CCA d'abord et comment ça devrait se passer parce que jusqu'à aujourd'hui, ça ne se passe pas normalement là-bas. On a critiqué avec vous ici sur ce plateau avec des arbitres de la CCA qui venaient souvent dire des choses. On s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas exactement de quoi est-ce qu'ils ont retourné en matière d'arbitrage. On sait exactement que la CCA est une institution d'arbitrage. Et il n'y a des choses d'arbitrage que pour administrer les procédures d'arbitrage. Il faut dire que ce n'est pas la CCA en tant qu'entité qui rend la décision, c'est le collège des arbitres mis en place à l'occasion qui rend la sentence. Et lorsqu'on est une institution d'arbitrage, on veille à la qualité des sentences qui sont rendues sous le label CCA. Et dans le veiller sur les sentences, il faut veiller également à l'harmonisation jurisprudentielle. Vous ne pouvez pas dire le matin avec les mêmes griefs que voici ce qui vaut comme décision. Et dans l'après-midi, pour les mêmes griefs, des gens viennent se dédire, ça ne fait pas honneur à cette institution-là. Maintenant, le plus important, c'est de se déclarer incompétent pour des motifs suffisamment sérieux. Mais quand il vient se déclarer incompétent, en parlant de l'immutabilité du litige. C'est quoi l'immutabilité? Ça veut dire qu'en cours de procédure, rien ne devrait être changé. Le juge devait s'en tenir à la requête initiale et statuer conformément à cette requête initiale. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, s'il faut associer la conciliation et l'arbitrage pour les mélanges dans le même panier, c'est une fausse, c'est une hérésie, c'est pas juste. Encore que ce qui a été demandé en conciliation, c'est la résolution qui était récusée. Le même objet. Ce qui est demandé en arbitrage, c'est la récusation des mêmes résolutions. Donc rien n'a changé fondamentalement, donc ce principe est inopérant en cette matière. Encore que pour pouvoir dire des choses telles qu'elles sont, il y a ce qu'on appelle l'office du président de la CCA. Monsieur Joseph-Marie Bepour, aussi devant président de la CCA, et c'est lui qui doit statuer sur la recevabilité des requêtes. Lorsqu'une requête est adressée à la CCA, il y a une première analyse qui est faite de la requête pour voir si la CCA est compétente en cette matière-là.
si la CCA est compétente pour connaître du litige ou alors de la contestation qui est soulevée devant elle. Et si par extraordinaire, le motif pour lequel la CCA est saisie et que le président qui, dans son office, se rend compte que ce motif ne relève pas des compétences de la CCA, il va rejeter cette requête-là. Parce que sur d'autres dossiers, sur des juridictions internationales ou communautaires, on parle du contentieux, de la recevabilité des requêtes. Il y a une première instance qui est gérée au niveau de l'office du président lui-même. Et lorsqu'on a fini chez le président, il transmet le dossier au greffier en chef qui, sous d'autres institutions d'habitage, est le secrétaire général. Techniquement, dites-nous, c'est quoi la différence entre l'irrécevabilité et le rejet? Non, l'irrécevabilité conduit au rejet. Le rejet est la conséquence de l'irrécevabilité. On ne peut pas connaître du litige. Non, on ne peut pas connaître. C'est-à-dire que on s'en débarrasse. Il y a beaucoup de critères, de causes qui aboutissent à l'irrécevabilité. Et dès qu'on a déclaré votre requête irrécevable, on la rejette purement et simplement. Donc le rejet est la conséquence de l'irrécevabilité. Et là, il ne s'agit d'aucun cas, ni non. d'un, du tout, comme ni d'irrécevabilité, ni de rejet. Ni de rejet. Pourtant, dans ce qui semble se profiler à l'horizon comme motivation dans cette incompétence-là, ça devait naturellement conduire au rejet de la requête, à l'irrécevabilité. Si vous dites que ce pourquoi vous nous avez saisi est truffé d'incongruité, on ne reçoit pas, on rejette. Mais dès lors que vous recevez, de vous prononcer sur les motifs et les griefs qui ont été soulevés devant vous. Edouard Nobel, avant de finir. Peut-être je vais revenir à vous tout à l'heure. Parce qu'il faut éclairer les gens de manière presque définitive. Pour dire qu'on a fini avec l'office du président de la Chambre. Oui. On arrive sur le greffier. Le greffier est celui qui assure l'administration de l'institution d'arbitrage. Et vous comprenez, dès que je parle déjà du greffier en chef d'une institution d'arbitrage, vous comprenez que c'est par lui que passent toutes les écritures des différentes parties en procès devant cette chambre d'arbitrage. Il est donc hors de question que cet administrateur se retrouve être un membre de la collégialité. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible nulle part que celui qui doit administrer une procédure se retrouve en train d'être lui-même administrateur de la procédure et arbitre. Et pas seulement arbitre parce qu'il faut se détacher, il faut se démarquer de la partie qui vous a désigné comme arbitre dans une procédure. Mais vous devenez avocat de cette partie-là. Toutes choses qui battent en brèche le principe de neutralité, de l'impartialité des arbitres, qui a fait défaillance à ce collège d'arbitres. Est-ce que selon vous, c'est ça qui nous a conduit à ça? Je voulais revenir à vous tout à l'heure, juste le temps de relancer Thierry, sur cette incongruité constatée. Oui, ça fait partie des incuries qu'on peut constater dans cette procédure. Être à la fois juge et partie, et vous savez très bien, pour ne pas enfoncer le clou, pour que les uns et les autres ne se sentent pas personnellement incriminés tout le temps. Quand vous lisez le communiqué final de la CFAP, le nom du greffier en chef revient justement. Il lui est reproché justement de faire ça et de faire copain. Donc, il y a un faisceau, un assemblage d'éléments suspects dans cette affaire qui, moi, c'est peut-être de l'autre que j'ai parlé d'un déni de droit qui a été dit cet après-midi parce que Georges l'a évoqué tout à l'heure. Quand vous lisez la requête en conciliation, c'est 15 pages. Quand vous lisez la requête en arbitrage, 12 pages. Mais quand vous prenez la deuxième page qui concerne la requête et les motifs, c'est la même chose. Aucune virgule, aucun point, c'est la même chose. Comment on a pu laisser tout passer en conciliation et revenir en arbitrage en délibéré, délibéré. Ça vient de délibération. Un délibéré prorogé de 2 semaines. Prenons le cas des examens. La délibération, quand vous délibérez, c'est pour rendre des résultats, non? Comment un jury peut se déclarer incompétent pour la promulgation des résultats? Vraiment, à un moment donné, on laisse le droit, on va sur la logique. Donc, il y a un ensemble de faits. Il y a un logicien ici. Je vais juste dire qu'on n'est pas sorti l'auberge et comme Théophile avant l'a dit, on n'en sort pas grandi. Moi, je ne voudrais pas, je crois que ces gens sont suffisamment éprouvés. On sait très bien que ces dames ont été même menacées. Vraiment, on ne va pas. On a le frein en main, peut-être parce que on ne veut pas. Je vous ai dit vraiment, Canal lui a déjà trop souffert des procès comme ça au niveau du CNC. J'y étais. On se rappelle. Mais je voudrais dire que ça fait pas beau. Ça fait pas beau. Les gros bras qui sont autour de Monsieur Seydou Momondjou, c'est bien. J'entends dire que dans le deal, il était dit que on s'occupait de mettre sous le tenon à la CCA et ses gros bras allaient prendre le relais aux tasses. Mais attention à l'effet boomerang.
Parce que cette affaire, et d'ailleurs vous l'avez dit, le communiqué depuis 2 heures de temps circule, la CEFAC va attaquer cette procédure. C'était prévisible au regard de la situation. Mais je crois qu'on aurait pu régler ce problème ici. Vraiment, je répète, le 1er octobre 2015, une date historique dans l'histoire du Cameroun, si vous me permettez, la même CCA, comme l'a dit Coris, pour deux faits simplement, avait annulé les statuts de cette FECAFOOT. Pour 6 motifs d'accusation, la CCA se déclare incompétente. Mais elle va te dire que c'était sous l'ancienne loi, la loi, la charte de sport, qui, la nouvelle a été mais changée. Non, justement, à cause de cette même loi, Bouba, la même loi est sur le banc des accusés. Oui. C'est l'un des 6 griefs justement que la CFAC oppose à la FECAFOOT. La nouvelle loi dispose que les tribunaux ordinaires peuvent connaître cette affaire. La FIFA dit non, la FECAFOOT l'a ignorée. Je peux citer des exemples comme ça. Donc aujourd'hui, je crois qu'on se retrouve dans une affaire qui est très mal embarquée pour nous. On a fait dire au ministre des Sports qu'il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde féminine. Je crois que si c'est pour ces 2 mois qu'on va aller à distraire cet argent, je crois qu'on va revenir, la réalité va nous rattraper. Est-ce qu'on n'en a pas déjà assez de voir les Comores aux tasses, de voir certains nombre de choses? Donc aujourd'hui, je crois que chacun sera mis face à ses responsabilités. Je voudrais juste sortir pour dire que ces gens, ces gros bras-là, ces gros bras qui gèrent la FECAFOOT, parce que c'est clair que M. Seydou, ce n'est pas lui qui la gère au quotidien, ces gros bras qui ont donc décidé... Mais c'est quand même lui le président, quand on dit oui, mais qu'il ne gère pas au quotidien. Il est président, mais il est juste un président de fait comme ça. On sait très bien qui gère les décisions. La preuve, si on vous raconte comment le DTN a été nommé, vous aurez pitié même de ces gens-là. Donc, je voudrais sortir pour dire que moi, en tant que journaliste, je conçois mal que des Camerounais, pour une affaire qui les concerne, qu'on se retrouve dans une affaire où on est incapable de dire le droit, de dire la vérité et plutôt de tordre le cou au droit. La conséquence est là. La conséquence est là. Voilà encore. Et puis les gens vont se plaindre qu'on dépense des millions pour aller aux tasses. Voilà la route de Lausanne qui est encore ouverte. Peut-être ceux qui jubilaient à Meke, ils ne jubilaient pas parce qu'ils ont gagné. Hein? Parce que nous, on était à la CCA Bouba. Le journaliste ne s'attarde pas sur le train qui arrive à l'heure. On a bien remarqué que celui qui jubilait, c'est exactement celui qui parlait à l'écran. Mais tous les autres qui l'accompagnent, ils étaient stoïques. Alors, Théophile, c'est pas clair cette Théophile, affaire. Théophile, alors, il s'agit d'une prolongation ou alors c'est une survie, c'est encore un sursis de l'équipe dirigeante de la FECAFOOT. Mais comme je le dis très souvent, je le disais ici à l'époque où Tombi était lui aussi imposteur, il disait l'imposture vit de survivance. C'est-à-dire des petites périodes qui vous permettent d'avoir du répit. Vous gagnez 3 mois ici, 5 mois là. Enfin, vous tenez jusqu'au bout. On appelle ça des survivances. Mais il y a un élément qu'il faudrait quand même relever. Si la pluie de procès pèse sur les plateaux de Canal 2 et autres, il faudrait quand même dire que ceux qui font le mal sont aussi en face. Et imaginez-vous ceux qui suivent la revue de la presse, à Canal 2 et partout ailleurs. Ils ont vu Abdourahmane sur à la une d'un journal. Ce même ministre-là qui est à la maison, qui a 3 cornes là-bas sur la colline. Il a appelé le directeur de publication de ce journal pour le menacer. Ce ministre-là qui est à la maison, qui a 3 cornes là. Il a appelé le DP du journal où Abdourahmane a fait la une et l'a menacé. Dans un autre pays, le conseil de la communication aurait écrit un communiqué pour soutenir la presse et dire qu'un membre du gouvernement n'a pas le droit de menacer un professionnel de la presse. Mais ça se passe comme s'il n'y avait rien. Et les procès pleuvent sur les journalistes. Mais quand les membres du gouvernement menacent les journalistes, personne ne dit rien. Et l'appel de ce monsieur est dans le téléphone de ce journaliste-là. Donc on peut remonter et le retrouver. Mais il est en paix dans sa colline là-bas. Il croit qu'il va s'en sortir jusqu'au bout. Deuxième chose, c'est les faits. C'est-à-dire, même si vous êtes bête, parce qu'il ne faut même pas être bête pour ne pas. L'adoption des statuts du 10 novembre. C'est le 10 novembre, c'est quoi? 10 octobre. Du 10 octobre. Il y a 60 personnes dans la salle. 60. Pour bloquer l'adoption, vous avez monté les images là à la télé. Ceux qui suivent Canal 2 ont suivi les faits. Pour bloquer l'adoption, il faut 21 voix. N'est-ce pas? Vous entendez bien comment M. Happy et son maître Sikati
sont en train de compter 1, 2, 3, 4, atteignent 18 opposants dans la salle qui s'opposent à l'adoption. Ils ont devant eux 3 doigts levés. Non. Donc, les gens. Trois procurations. Trois procurations. C'est des faits. On lit les opposants, on les compte. Ils atteignent 18. Il y a 3 procurations posées. Ça fait 21. On s'arrête là. L'adoption est arrêtée. Elle est techniquement impossible. On n'a pas besoin d'être vraiment que maître le magistrat Zinchia me pardonne. Elle a été menacée. Mais c'est regrettable. Troisième chose, vous avez posé la question pour terminer. Quels sont les enjeux? Mais le principal enjeu, c'est la confiscation de la Fédération Camerounaise de football. C'est important parce que les gens qui nous regardent se disent que mais pourquoi pas au handball? Pourquoi pas au volley? Pourquoi c'est le foot? Pourquoi 3 ministres se bagarrent autant pour... Oui, monsieur Iya Mohamed est parti il y a 7 ans. Il a laissé 14 milliards de francs. Chouat a dit dans son conseil, il y a moins de 2 mois, que la FICAFOOT était incapable de payer les salaires. Donc, ils sont à moins quelque chose. Donc, 14 milliards ont disparu. 14. On a dit en avoir laissé 5. Il n'y a plus un franc. Où va l'argent? Pendant l'imposture de M. Tombi, vous avez bien vu comment ça fonctionnait. Quand on est imposteur, on s'accroche sur ce qui vous maintient en vie. Sur les perfuseurs. Ils viennent donc. Ma mère est morte, 100 millions. J'ai un problème là-bas, 3 millions. Donc, vous versez à ces gens qui vous permettent de rester là. Ces gens ont compris que l'argent du foot est facile. Un ministre ne peut pas entrer dans la caisse du président Biya comme ça facilement et repartir. Mais à la FECAFOOT, on peut vous donner 100 millions, 200 millions. Comme ceux qui ont maintenu Chouad là, aujourd'hui. Mais quand ils vont appeler qui demande la rançon, il va la payer. Ils ont compris que... Donc, comprenez très bien qu'à la FECAFOOT, c'est très facile. Les gens vivent de l'argent de la fédération. La pauvreté et la fédération n'a plus rien aujourd'hui. Plus un seul franc. Le siège que M. I a laissé n'a pas continué. Les travaux n'ont pas continué. Tout l'argent a été volé. Donc comprenez que si les gens se battent autant à la FECAFOOT, c'est parce que l'argent de la FECAFOOT est très facile à manger et personne ne vient le justifier. C'est pour cela que la bagarre a autant de saveur. Et c'est très important que les gens le comprennent. Alors, on se bat pour manger l'argent de la FECAFOOT pour que le football meure. Alors, Edouard Diombé, y a-t-il une volonté de pouvoir tordre le cou au droit? Si oui, quel est l'intérêt des différents acteurs? Parce qu'on se rend compte que la guéguerre à la Fédération Camerounaise de football perdure déjà. Et depuis le départ de IA en 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes pratiquement déjà à 6-7 ans dans la même guéguerre. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Il était très très important de relever ce problème. Parce que quand nous parlons du politique qui s'est impliqué, les campus sur le plateau renvoient à ce qu'ils disent, par exemple. Et c'est là la nuance avec Jacques-Édouard Niobe. Jacques-Édouard Niobe n'est pas campiste. Jacques-Édouard est un logicien. Ça veut dire que quand tu ne fais pas bien, je suis contre toi. Même si on mange ensemble, même si on vit ensemble, je suis le premier à te dire, tu ne fais pas bien. Moi, je suis contre cette guerre. Ça, je suis contre cette guerre. Les textes, oui, ne sont pas bons. Mais maintenant, toi, Abdourahmane, si j'étais campiste, c'est-à-dire dans le camp de Abdourahmane, j'aurais le même discours que ceux qui sont sur ce plateau. C'est-à-dire prêt à dégainer pour dire qu'en face, ce n'est pas bon. Mais moi, je ne suis pas dans la logique d'Abdourahmane, qui est un éternel guerrier. Et je renvoie même cela à de l'incivisme. La situation du Cameroun a perduré. Est-ce qu'il va dans la logique de remettre de l'ordre là? C'est pourquoi il va toujours sur là. Point d'interrogation. Mais à quoi on sert? Il doit sans doute avoir ses propres enjeux. À quoi a servi la normalisation? C'est pour arranger les problèmes. Il doit avoir sans doute ses propres enjeux. Peut-être un jour contrôler la maison, je ne sais pas. Mais pour un bonhomme qui avait l'éducation citoyenne,
Ils devaient comprendre que ces situations vraiment décrédibilisent le pays. Et si c'est les dirigeants alors, de ce pays qui ne sont pas crédibles? Non. Ah voilà. Cette pourquoi situation décrédibilise le pays. Les campistes, de notre bord. Cette situation décrédibilise le pays. Alors, comme les textes nous renvoient à la conciliation, et que nous avons relevé qu'ici les statuts ne sont pas bons, pourquoi ne pas aller dans une logique de concertation, pour qu'en face, même ceux-là qui sont déjà montés, qu'on les ramène à réajuster ces textes. Les correspondances ont été adressées à Maître Appy juste après l'adoption, afin qu'il revienne à des meilleurs sentiments pour que les textes soient adoptés dans les bonnes, dans les bonnes formes. Il n'a pas répondu favorablement. Maître Appy a réagi. Il a dit, allons aux élections, ceux qui seront en place vont réajuster les textes. Ce qui n'est pas normal, la normalisation. Alors, ceux qui ont donc été en place, pourquoi vous n'allez pas vers une conciliation où vous mettez l'accent sur des textes qui ne sont pas dans les normes? Mais vous êtes plutôt dans la logique de leur couper le cou pour qu'on revienne à plus tard. Mais vous êtes dans la logique de les enlever. Pourquoi vous ne pouvez pas vous concilier pour dire que même si vous êtes là, vous ne pouvez pas aller dans la logique où vous leur dites, même si vous êtes là, l'essentiel pour nous, c'est de réajuster les textes. Pourquoi vous n'amenez pas la conciliation dans ce sens? Vous amenez dans la conciliation dans le sens où... C'est la FECAFOUT même qui refuse la conciliation. Je dis donc que la conciliation pour nous devait être... C'est le syndrome de Stockholm ou non, la conciliation devait être dans la logique où... Fait cause pour l'oppresseur. Non, vous n'avez pas été dans la logique d'une véritable conciliation. Vous êtes dans la logique de manger ceux qui sont en place. Vous êtes dans la logique de couper leur gorge. Et ça ne fait que perdurer la situation. Ça ne fait que nous ramener, au lieu de penser au développement de notre football, vous êtes dans la logique de tronçonner tous ceux qui sont venus. Et ceci dans la logique de la guerre. Okay, vous voyez pourquoi nous devons aller dans la guerre permanemment? C'est pourquoi vous avez ressorti cela. Hein? Justement. Ça perdure parce que ceux qui sont en face ne nous empêchent la situation de s'améliorer. Faire comme En tout cas, je crois que c'est très utile de se rendre compte que le logicien vient de se noyer. Non, pas du tout. Parce qu'en réalité, pas du tout. Il est dans l'anti-logique. Parce la conciliation est où? Il y a le certificat délivré, non? Non, j'ai dit la conciliation qui va dans le sens. Refaisons les textes. Vous le laissez terminer. Vous êtes dans la logique quittez. C'est d'où tu es. Vous êtes le logicien. Vous êtes le logicien. Vous êtes le logicien. Ils ont écrit à mettre la vie et lui ont présenté la vie. Vous laissez le logicien. Que la logique prédomine et que la logique soit la matrice qui conduit nos aspirations. Là, c'est le juriste qui nous parle. C'est de ça qu'il est question. Parce il restera dans son droit. En réalité, mais ça ne va pas résoudre le problème. En réalité, lorsque... La conciliation résout le problème. Oh là là, tu as commencé. Lorsque c'est à la fin de l'émission que le logicien se rend compte qu'avant d'arriver à l'arbitrage, ils sont passés par la conciliation. Et dans l'instance de conciliation, la FECAFOUT a demandé qu'on tranche court, qu'on constate la non-conciliation et qu'un PV soit dressé. Tout simplement. Et c'est parce qu'il y a eu un PV de non-conciliation qu'ils sont allés en arbitrage. En arbitrage pour exciper en principe de nouveaux arguments parce que cette fois-là, on est devant celui qui doit trancher en droit. On a quitté l'amiable compositeur pour retrouver le juriste qui doit statuer ignoré. Donc, permettons... En France, on dit donc qu'il n'y a jamais eu conciliation. Bon, c'est maintenant que un déni de droit. Non, mais en face, non, il est déni. Vous avez suivi Le logicien voit tous les sens maintenant. Peut-être que son sédatif vient de s'achever. Albert, le didacticien. Peut-être que son sédatif vient de s'achever maintenant. Il se réveille. Il se rend compte qu'il y a eu une conciliation. Ouais. Jacques Edouard, on a travaillé cette étape depuis. Depuis très longtemps. Pourquoi ils le disent? Ils disent qu'il n'y a pas eu ça. Vous voyez alors? C'est pourquoi je dis que c'est un débat de campistes. C'est maintenant que tu te réveilles. Dis que tu es dans ton camp. Non. Oh là là. Et dans ton camp, ce n'est pas aller dans ton sens. Bon, mais je pense qu'il a évité ça en tant que juriste. Voilà. Il est vraiment neutre. Mais il dit bien le droit. Il est là pour dire ce qui s'est fait. Il est vraiment dans nos cœurs, car ce n'est pas pour le dédouaner. Il dit exactement ce qui s'est passé. Il devrait se passer 5 secondes. C'est pour ça que nous, les journalistes, on garde les dates. Voilà. Monsieur Jacques Edouard, il y avait le logiciel. C'est le 5 décembre.
le lundi 3 décembre 2018 que ce certificat a été délivré. Votre conciliation allait dans quel sens? Ce n'est pas la mienne. Non, attends, vous en tant que campiste, votre lui, la nouvelle loi, attends, la nouvelle loi qu'il impose. Votre conciliation allait dans quel sens afin que la fédération refuse? Ce n'est pas la c'était mienne. C'était dans quel ce sens sont les statuts. Terminé, c'est Amiké qui avait la parole. Allez-y. Il est peut-être important, Georges. Non, non, vous allez prendre la parole. Non, juste une seconde. Il est peut-être important que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, sachent que après que l'adoption des textes a posé d'énormes problèmes, voilà, le camp à Abdourahmane a formellement écrit à Maître Rapi et au ministre des Sports et présenté la situation. À cette époque, il demandait simplement que Maître Rapi réorganise une autre assemblée et change les données. C'était aussi simple que ça. Nous avons vécu, on a ces correspondances. À aucun moment, pas encore de procédure oui, aucune procédure. Maître Rapi a refusé tout. Pour les contemporains de l'histoire, pas pour ceux qui se réveillent après coup, se rendent compte de ce que dans ce processus électoral, avant qu'on en arrive, d'abord la constatation c'est que puis l'adoption des textes le 10 octobre. Ouais. Après le 10 octobre, un processus a été engagé. Tous les acteurs se sont levés pour aller à ce processus. Et on connaît très bien pour nous qui sommes à Yaoundé comment ça s'est passé dans la région du centre. On sait que l'élection avait été prévue le 27 novembre. Elle n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu des contestations au plus haut niveau qui ont empêché à ce que l'élection ait lieu ce 27 novembre. Les élections ont été reportées pour le 28. Et le 28, on est passé en force. Et c'est pour ça que je vous rendre compte que lui qui parlait des campistes, dans la région du centre, il y a des gens qui sont dans une logique de couper les têtes, peut-être instruits par Jacques-Edouard. Peut-être que c'est la discipline que tu dois apprendre au mieux. Il ne sait même pas qu'on a tout remis à plat là-bas. Pour comprendre que au jour d'aujourd'hui, des acteurs qui n'ont jamais été conviés à une assemblée générale, à un conseil d'administration, se sont retrouvés signifiés qu'ils étaient radiés de cette assemblée, de ce conseil d'administration, toutes choses qui étaient suffisamment cavalières. Ils ont saisi la commission de recours de la FECAFOOT. La FECAFOOT a annulé les résolutions de la chambre de du bureau du conseil de la Ligue régionale du centre et les prétendues résolutions du conseil d'administration de cette ligue départementale. Aujourd'hui, on est revenu du point de vue de la décision de la chambre de recours au statu quo ante. Donc à la situation du lendemain du 28 novembre. Il faut recommencer tout à zéro dans la ligue régionale du centre. Et c'est ce qu'on nous sert tous les jours. Et pour entre-temps, il le savait très bien. Bon, il faut pouvoir dire que même lorsqu'on est en arbitrage, on peut transiger avant le rendu de la sentence. On peut arriver à s'entendre. Lorsqu'on n'a pas pu s'entendre en essence de conciliation, parvenu en arbitrage, les parties elles-mêmes peuvent se retrouver pour se dire que vraiment, voici ce qu'il y a de mieux pour le football. Personne n'est allé dans le sens de l'apaisement. Chacun a utilisé ses armes. Certains ont excipé le droit, d'autres ont excipé des manœuvres dolosives et la politique pour pouvoir avoir gain de cause. Et le malheur. Le malheur, c'est les juristes qui peuplent la CCA. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y a un seul des arbitres qui peut dormir serein. Je ne suis même pas sûr que de tous ceux qui ont été désignés là-bas, ils peuvent se sentir heureux de ce que cette institution rend comme service à la République. Parce que lorsqu'on parle de déshonneur, le déshonneur commence par ce que livre la CCA comme résolution. Coris, est-ce que la CCA s'est tirée une balle au pied ce soir? Ben oui, quand vous avez une décision comme celle-là, c'est se tirer une balle, n'est-ce pas, au pied. Mais pour revenir sur ce que le grand frère Jacques-Edouard a dit, il faut dire que le camp qui est le plus souvent campé, c'est le camp d'en face. Je veux dire le camp de ceux qui sont à la fédération aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on part dans une logique, n'est-ce pas, de conciliation et d'arrangement à la MEAP, ce qui s'est passé à la Ligue régionale du centre, par exemple, lorsqu'on adoptait les textes, ne se passe pas. Parce qu'il faut dire qu'effectivement, dans un hôtel de la place, même un sous-préfet est venu et dire si ce qui pose problème, c'est les deux clubs-ci. Mettez ces deux clubs de côté et continuez avec le processus. Mais le camp d'en face n'a jamais accepté. Or, s'ils étaient dans cette logique de conciliation, d'arrangement, de peu, on devait mettre d'apaisement, on mettait ces deux clubs de côté et on continuait avec le processus électoral. Ça n'a pas été fait. Et on est là où on est aujourd'hui. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que dans tout ce qu'on fait, ça fait 6 ans. 2013, 2019, c'est 6 ans. C'est le footballeur qui paye le prix. Voilà. Il faut dire que nous avons un mois pour livrer et notre champion,
et notre vainqueur de la Coupe. Sinon, une fois de plus, l'an prochain, voilà, en Champions League et en Coupe on de la CAF, on n'aura pas de représentant. Pourquoi? Toujours à cause de ces mêmes problèmes. Ces derniers temps au Cameroun, on a beaucoup entendu parler de pourquoi une affaire qui devait se régler ici, ça se trouve ailleurs. Hmm. Parlant notamment du paiement, n'est-ce pas, des salaires des joueurs. Mais au jour d'aujourd'hui, on revient dans le même problème. La CCA aurait pu régler cette affaire. On pouvait reprendre, n'est-ce pas, le processus électoral. Parce que lorsqu'on va au TAS, ça va encore nous prendre combien de temps? 20 mois, 22 mois, 23 mois comme le précédent exécutif. Et un jour ou l'autre, une décision va tomber. On sera obligé, n'est-ce pas, de reprendre. Et une fois dit, c'est le football, n'est-ce pas, camerounais qui paye le prix. Où sont nos clubs aujourd'hui en compétition africaine? Chaque jour, on est éliminé au premier tour. Ça ne dit rien à personne. Aujourd'hui, nous avons perdu une place. On a perdu une place hier. Hier, on n'a même pas pu être en mesure d'envoyer un troisième représentant. Et ça ne nous dit absolument rien. Honnêtement, il est temps que cela cesse et qu'on donne la place, qu'on retrouve, n'est-ce pas, la place qu'on avait hier dans l'échiquier du football africain et même mondial. Qu'on arrête chaque fois de jouer notre part de football dans les tribunaux, sur le plan national, sur le plan international. Comment on sort de cette affaire? On sortira cette affaire en respectant le droit. Et je suis contre ceux qui pensent éternellement qu'il faut toujours du politique. Je rappelle Jacques-Édouard, l'homme de la science, comme je l'appelle le logicien, qu'effectivement, il y a, la recevabilité de la CFA qui existe bel et bien en conciliation. Donc, c'était pour lui dire que toutes ces phases ont été faites. Peut-être qu'il oublie également de se rappeler qu'en 2015, il y a eu des conciliations et des deals qui sont faits par le passé Premier ministre. On sort de là tout simplement en respectant le droit. On n'est pas juste à 100%, mais au moins respecter le droit et leur état. Sinon, on retrouve à l'état de nature de Thomas Hobbes. On se retrouve dans l'incertitude de la décision et on se retrouve également dans les. Je peux également parler. Du gangstérisme juridique dans cette affaire. On peut même parler d'un civisme. Pourquoi pas donc, de mon point de vue, on a tous le communiqué, la CFAC va aller au niveau du tribunal arbitral du sport, comme Coris le dit. On aurait pu séparer de cela et régler tout en interne, comme l'ont suggéré certains autres membres du gouvernement qui ne sont pas comme ceux-là qui ont accepté de se mouiller dans cette gadoue-là. Donc, attention simplement à la gabégie. Attention à la suite, parce qu'on voit des images qui circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de boire de la bière. Sont en train de fêter. En train de fêter et on reconnaît nos amis. Donc, de mon point de vue, il faut que les gens fassent attention parce que l'histoire nous parle. Comment on fait son lion se couche et surtout, attention à l'effet boomerang. Parce qu'aujourd'hui, à vouloir trop fêter, demain, on risque de se retrouver dans cette affaire. La FIFA, je sors par là. Vous savez que la FIFA... Deux semaines avant de mettre sur pied le comité de nomination, la FIFA a écrit à Étoile Filante et Gavroche pour lui dire que vraiment, c'est la convention de New York de 1958 qui va venir appliquer votre affaire. Mais deux semaines après, on a vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit le chef du gouvernement qui a envoyé ses trois ministres faire ce sale boulot. Donc aujourd'hui, attention seulement à tout ce qui va arriver et demain, il ne faudra pas traiter les autres antipatriotes parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je sors par là. Il y a eu un déni de droit manifeste. Vous refusez de rendre justice, vous déclarez incompétent après presque 5 mois d'enrôlement d'une procédure. Donc, c'est inique. Y a-t-il un vainqueur dans cette histoire? Ben, disons qu'il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de vainqueur parce que le football camerounais ne marche pas. Parce que si, par exemple, c'est les tests qui font problème et qu'on ne se retrouve pas sur une table pour arranger ces textes. Mais plutôt, on pense au contrôle futur de la fédération à tout prix. C'est pourquoi on doit utiliser toutes les armes. Qui va gagner? Nous sommes tous perdants. Après, voilà votre football, comment il s'échoue. Un football malade, tout simplement parce qu'on est dans les éternelles guéguerres. Et les guéguerres qui sont beaucoup plus par rapport aux problèmes individuels. Nous devons nous positionner, nous devons contrôler la maison. C'est pourquoi nous allons utiliser toutes les armes. Et les armes là sont crédibles. Hein? C'est des armes fortes hein? Qui sont capables de les déstabiliser. Ils vont aller à la hauteur, ils vont encore avoir raison. Hein? Mais la crédibilité de ton pays est où?
C'est là où je renvoie le problème à l'éducation citoyenne. Okay. Il n'y en a pas dans le camp adverse, ni dans le camp qui est en place. Tout le monde est là pour se positionner. Alors, et c'est pas bon. Georges Améquet, est-ce qu'on peut dire que la formation arbitrale connaît donc de la compétence de sa compétence? C'est le préalable. C'est le préalable. Je vous indiquais tout à l'heure que lorsqu'une requête est déposée à l'attention de la CCA, il y a une première vérification qui est faite par le président de la Chambre. Dans son office de président de la Chambre, il procède à l'examen préliminaire de la requête pour voir si la matière qui fait l'objet de la contestation relève des compétences de la CCA. Lorsque cela est acté, on invite donc l'autre partie qui est intimée à pouvoir choisir son avis. Parce que quand lorsque vous déposez une requête, vous allez avec l'avis que vous avez choisi. L'autre partie répond. Et lorsque les deux parties répondent, ici dans le cas de la CCA, c'est le président de la Chambre qui nomme le troisième arbitre. En principe, ça devait être les parties de commun accord. Les deux arbitres choisis qu'il devait nommer, désigner un troisième arbitre qui va assurer la présidence de la collégialité arbitrale. Mais ici, dans le cas de la CCA, c'est le président de la Chambre qui nomme l'arbitre président. Une fois les trois arbitres réunis, on leur transmet le dossier. La première chose qu'ils ont à faire, c'est de statuer sur leurs propres compétences en vertu du principe de compétence-compétence. Lorsqu'ils ont statué sur leurs compétences, ils sont déclarés compétents, ils gèrent la procédure jusqu'au fond, jusqu'au rendu de la sentence. C'est pas à la fin qu'ils vont se déclarer incompétents. En principe, c'est pas à la fin que vous venez vous rendre compte que vous deviez être déclaré incompétent. Sauf que il y a des cas bien précis sur lesquels, lorsqu'il y a eu une violation manifeste de l'ordre public, camerounais ou international, les habitants peuvent se rendre compte, mais en milieu de procédure ou même vers la fin, ils peuvent donc statuer en droit à l'incompétence. Et ça peut arriver, c'est des cas extrêmement rares qui les aura échappés en début de procédure. Mais le principe est que les arbitres statuent au préalable sur leurs compétences avant de commencer à instruire l'affaire. Alors, il nous reste 3 minutes. En une seconde, en 15 secondes sur les 3 minutes, il faut dire que lorsque les arbitres sont saisis du dossier, il y a une phase préliminaire, c'est des échanges des écritures. Les échanges des écritures, après une deuxième phase, s'ouvrent les débats contradictoires. Après les débats contradictoires, les habitants se sont déjà fait leur propre chapelle sur la contestation, sur la question. Ils clôturent les débats et mettent l'affaire en délibéré. Et dans le cas d'espèce, le délibéré a été prorogé. Il ne faut pas proroger un délibéré parce qu'on aurait pu dire, lorsqu'on proroge le délibéré, c'est pour avoir le temps matériel pour motiver la décision. Parce qu'on sait exactement à quoi ça obéit. La contestation, on sait exactement qui a raison, qui n'a pas raison, pendant même l'instruction de l'affaire. Pendant les auditions, c'est pour compléter sa propre chapelle dans l'information. Et lorsqu'on prorouge, c'est pour avoir le temps matériel de rédiger la sentence. On ne prorouge pas pour aller demander à quelqu'un d'autre si on est compétent ou pas compétent. L'ayant fait, c'est un manquement grave. Alors, une fuite en avant, purement et simplement, tu fuis la vana. Fuite en avant. Mais je voudrais me souvenir de cette situation au Mondial 2010. Vous étiez là, on était au Mondial en Afrique du Sud. Plus fort des querelles entre les joueurs. Et Roger Milla était arrivé. Et Alexandre Song, il a dit, voilà le vrai grand neuf, le grand grand neuf. Vous savez, on ne peut pas écrire l'histoire soi-même. Si on prend le bic pour écrire l'histoire, c'est qu'on n'est pas, on veut tromper les gens. Et je me suis souvenu de cette situation, je dis, mais si Alexandre Song appelait Roger Milla le vrai grand neuf, le grand neuf, ça veut dire qu'il méritait. Il écrivait lui l'histoire à la place de l'autre. Il voulait indiquer quelque chose. Vous voyez ce dans quoi le petit neuf nous mène? Vous voyez ce à quoi le petit neuf nous mène. Et le petit neuf, il veut écrire l'histoire lui-même. Non, il n'en a ni la compétence, ni la force. Et c'est pour ça qu'il nous balade. Il a voulu imposer un panthéon à la tête de la fédération. Il a obtenu. Mais est-ce que ce panthéon est capable de conduire cette barque? Il n'en est pas capable. Et je vous dis, Bouba Ngomna, si nous regardons la fédération, le football, pas seulement le football ne marche pas. Jacques-Edouard. Mais la FECAFOOT est ruinée. Les Lions et Notables n'ont pas d'équipementier. Il n'y a plus rien. On doit continuer. Mais on a imposé un panthéon parce que c'est lui qui va nous permettre de vivre. À travers lui, on peut nommer un détenu dans un bar, dans la banlieue parisienne à Rouen. C'était, la ville était quoi? C'est pas tout. On peut nommer un détenu dans un bar. Et les gens se régalent. Les gens se régalent. Et je vois la sœur du type écrire avec une cigarette en main. Oui, mais non, rien. On a déjà pris. On a pris quoi? Un détient dans un bar? Non, je veux dire ceci. Le petit neuf, oui. Le petit neuf
montre donc sa puissance en détruisant la fédération. À aucun moment, les deux Surinamois, on peut raconter ce qu'on veut raconter. Ils ont pris 600 millions, ils sont partis, ils sont revenus. Ils n'ont jamais dormi à Yaoundé. Ils dorment au Hilton maintenant que les gens dorment à l'autre hôtel là-bas. Ça ne leur dit rien, ils n'ont aucun chef. Je veux dire, tout ce qu'il entreprend ne vise pas à honorer le Cameroun. Et Joseph Owona a imposé Tombi. Le petit neuf a imposé le Pantin. Et le Pantin, lui, n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Ce à quoi nous allons maintenant, c'est quoi? C'est la fin du football. Et moi, je vais vous dire... 30 secondes. Je vais vous dire... Je m'attendais à ce que l'homme qui fait le droit là-bas au ministère arrange les choses. Mais lui-même, il n'arrange rien. Il n'arrange rien, le grand professeur de droit à l'agrégé. Décidément, on en prend avec les juristes dans ce pays. Décidément. J'en appelle donc au bon sens du grand juriste qui est au rond-point du cimetière là-bas, qu'on appelle, qui est avec le trophée là-bas en Égypte maintenant. Que monsieur, je me souviens du temps où vous étiez venu, Germain, c'était Dieu la vie. Mais vous êtes devenu maintenant un grand. Arrangez les problèmes. Vous n'êtes pas là pour aider un camp à gagner sur un autre. C'est le football camerounais qu'il faut relever. Et le football va mal. C'est ça qu'il faut dire. Ok, on vous a compris. Maintenant, merci, les juges, moi je vous ai dit, ils ne peuvent pas dormir. Ils savent qu'ils ont fait mal. C'est une fuite en avant, vous avez dit. Mais ce qui va arriver devant, peut même arriver dans 3 ans ou dans 4 ans. Mais, je dirais comme Dumont, la FECA Foot est une fois de plus très mal partie. Alors, on est loin d'être sorti de l'auberge. Je termine par vous, Coris. Ben, on est loin d'être sorti de l'auberge. C'est... on a envie de dire, on reprend les mêmes, on recommence, les mêmes procédures. Qui auront certainement les mêmes résultats. Moi, je crois que pour terminer, les juges de la CCA, entre la pression du politique et dit le droit, ils ont tout simplement décidé, n'est-ce pas, de jeter cette patate chaude qui était entre leurs mains et voilà. Parce que, honnêtement. C'était une patate chaude. Ils ont préféré jeter ça aux tasses. Bien sûr, ouais, ils ont préféré se débarrasser de ça. C'est ce qu'il y a des voilà, en acier. Que l'État décide là-bas. Que quelqu'un d'autre donne cette décision à notre place. Voilà quoi. Voilà, merci, cher monsieur. Merci beaucoup à vous, Georges Ameke, pour vos éclairages. Merci aux logiciens. Hein, pour également sa logique. Merci à notre consultant permanent. Merci Théo De Jong. Merci d'être merci venu. Beaucoup. On prend rendez-vous pour une autre édition d'Au Cœur du Sport jeudi prochain. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonsoir.